Exercice de la page 65, les 30, 31, 32, 33 et 34. Alors, donnez l'abscisse de chacun des points A, B, C, D et E. Alors, dans une évaluation, vous devriez écrire les abscisses des points A, B, C, D et E sont et vous marqueriez vos réponses. La première chose qu'il y a à faire dans chacun de ces exercices, c'est de comprendre comment est-ce qu'on compte, c'est-à-dire quelle est finalement l'unité choisie. Ici, l'unité choisie, c'est deux carreaux pour une unité. Donc le point A, son abscisse, ce serait 2. Le point B, ben, c'est entre 0 et 1, ben, c'est moins 0,5. Mais si vous écrivez ça sous forme de fraction, plus 0,5, pardon. Si vous écrivez 1/2, c'est très bien aussi. Ou alors si vous l'écrivez dans ce type d'écriture, xA égale à 2, c'est bien aussi. Xb, xc et ainsi de suite. Le point C, ben, on a deux carreaux vers la gauche en partant de l'origine. Donc ici, on sera à moins 1. Le D, 1, 2, 3, bah, il est entre le 2 et le 3, donc on est à 2,5. Et le point E, moins 1, moins 2, moins 2,5. Vous remarquez d'ailleurs que le point D et E sont parfaitement symétriques par rapport à l'origine. Donc c'est pour ça qu'il y a 2,5 et moins 2,5, ils sont opposés ces deux-là. Le 31, exactement le même exercice, sauf que ici, l'origine, ben on ne la voit pas. Par contre, on a moins 2 et on a moins 1. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux entre le moins 1 et le moins 2. C'est-à-dire que le 0, il serait quelque part ici. Donc, on n'est que dans la partie négative. Le point A, il se trouve en pile au milieu entre le moins 1 et le moins 2. Donc, on sera à moins 1,5. Et donc, ensuite, il faut qu'on comprenne chaque petit carreau, ce que ça va représenter. Bien, comme j'ai 10 carreaux, ici, ça va être du 0,1 à chaque fois. Mais on va le compter à l'envers. Donc, moins 1, moins 1,1, moins 1,2, moins 1,3, moins 1,4, moins 1,5, etc. Une fois qu'on a compris ça, il est assez facile de voir qu'ici, on est à moins 1,8, qu'ici, on est à moins 2,1, et qu'ici, on est à moins 0,9. Une fois qu'on a compris comment est-ce qu'on compte, l'exercice devient très facile. Ici, pareil, on voit qu'il y a 4 carreaux, ça va représenter une unité. Donc le point A, ça va être moins 0,5. Le point B, il se trouve ici, donc moins 1, moins 2. Le point C, 2 carreaux aussi, 4 carreaux, donc on est à plus 1, à 1 si on préfère. Là, le D et le E, on a 4 carreaux qui vont représenter 1. Donc, 1 carreau, c'est 1 quart d'unité A. 1 quart, c'est 0,25. Donc, 0,25, 0,50, c'est-à-dire 0,5, 0,75, 1, 1,25, etc. Donc, ici, on est à 0,25. Si vous avez écrit 1 quart, c'est très bien aussi. Et là, pareil. Je suis donc à moins 1, moins 1,25, moins 1,50, moins 1,75. Voilà. On a la même unité qu'avant, 4 carreaux. Donc ici, on est à 0,5, il y a 1/2, pareil qu'avant. Moins donc le B, donc on est à moins 0,25, du coup, je peux déjà l'écrire. Moins 0,25, moins 0,50, moins 0,75, moins 1, moins 1,25, moins 1,50, 75, 2, moins 2, voilà. Je vais vérifier mon point E, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est juste. Tracez une droite graduée comme ci-dessous et prolongez et placez les points, d'accord. Donc, on va prendre cette droite. Alors, il faudra le faire à la règle avec des carreaux, normalement. Donc, j'ai 0. Alors, je remarque déjà que la valeur la plus grande, ça va être 10. La valeur la plus petite, c'est moins 7,5. Donc là, je vais devoir aller au moins jusqu'à 10. Et là, au moins jusqu'à, on va dire, jusqu'à moins 8. Donc, on va faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ou bien sûr vous faites à la règle avec des carreaux, en prenant à chaque fois deux carreaux pour une unité. Donc ici on va faire pareil, moins 1, moins
2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et moins 8. Alors peut-être que vous, vous avez juste écrit 0, 1, vous avez fait tout plein de petits traits, vous avez écrit 5, 10, moins 5, etc. On n'est pas forcément obligé d'écrire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Après, moi, je l'écris pour que ce soit plus simple, après, pour se repérer. Donc, le point A a pour abscisse 2. Le point A a pour abscisse 2, je fais une petite croix. Marquez bien une petite croix pour voir l'emplacement exact du point A. Le point B, c'est moins 3. Le point B, je fais ma croix et j'écris petit b. Le C, aucune difficulté. Et le D, là, faut pas que je me trompe. Moins 7,5, je vous rappelle qu'on le lit à l'envers, donc le moins 7,5 se trouve entre le moins 7 et le moins 8, c'est-à-dire que vous êtes, puisque vous avez pris deux carreaux à chaque fois, vous êtes sur le carreau qui se trouve entre le moins 7 et le moins 8. Donc c'est pour ça qu'il est bien important que vous fassiez bien votre croix, pour qu'on repère bien l'endroit où c'est que vous mettez votre point D.